Salut, bienvenue sur Picomat. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 concernant le calcul mental. Cette vidéo fait partie d'un ensemble, d'un programme d'entraînement au calcul mental. Si tu veux simplement des règles de calcul mental, tu tapes sur Google règles de calcul mental et voilà. Si tu veux un vrai entraînement pour partir de débutant à je connais l'essentiel du calcul mental et je sais me débrouiller, il vaut mieux suivre mes épisodes dans l'ordre. La soustraction. Comment est-ce qu'on soustrait de tête? Si je fais une vidéo, c'est parce qu'on ne soustrait pas de tête comme ce qu'on fait en posant le calcul. Je vais te donner la règle. Je vais poser une soustraction pour que tu vois la différence. Et ensuite, on passe aux exercices. Alors, la règle. On retranche successivement. Au premier nombre, les centaines, les dizaines et les unités du deuxième nombre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On retranche. On retranche, on soustrait, on enlève. Voilà, c'est toujours pareil. Successivement, c'est à la suite et dans l'ordre qu'on te donne. On retranche d'abord les centaines s'il y en a, ensuite les dizaines et enfin les unités du deuxième nombre. Imaginons, j'ai, je sais pas moi, 555 moins 247. Imaginons qu'on veuille faire ça de tête. Je vais d'abord le faire en posé, puis après je t'expliquerai comment on le fait de tête, et les exercices ils seront moins difficiles que ça. Ça, c'est vraiment voilà, ce qu'il y a de plus dur. Je fais 5 moins 7, je suis coincé, je suis obligé de mettre des retenues. Ensuite, je mets mes retenues, je dis 15 moins 7, 8. 5 moins 5, 0. 5 moins 2, 3. La réponse est 308. De tête, on ne peut pas s'amuser à mettre des retenues comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que quand on fait le calcul de tête, on commence par les centaines, ensuite les dizaines, ensuite les unités. On parcourt les nombres de gauche à droite, contrairement au calcul posé où on parcourt les nombres de droite à gauche. Si j'avais voulu faire 545 moins 247 de tête, c'est tout à fait possible. Alors je vais l'écrire ici. 500. Les exemples que je vais te donner dans les exercices, c'est pas aussi compliqué, mais tu vas voir qu'on voilà. C'est pour te montrer simplement qu'on peut aller très loin. Imaginons que j'ai envie de faire ça de tête. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire 555 moins 200. 555 moins 200, ça me donne 355. 355 moins 40, ça me donne 315. 315 moins 7, 308. On arrive exactement au même résultat. Encore heureux parce que c'est le résultat juste. Voilà. Donc là, on laisse tomber pour l'instant les exemples super compliqués que tu pourras faire avec de l'entraînement. On va passer à l'exercice numéro 1 qui est relativement simple. Alors là, j'ai mis tous les calculs à faire pour l'exercice numéro 1. Je t'invite à chaque fois que je donne un exercice à mettre sur pause, à réfléchir dans ta tête, à noter le résultat sur un papier et ensuite comparer avec les résultats que je donne, les solutions que je donne. Si tu regardes juste la vidéo sans rien faire, ça ne va pas beaucoup t'aider. Alors on y va. 70 moins 30. 70 moins 30, 40. Je soustrais 3 dizaines à 7 dizaines, ce qui me reste 4 dizaines. Voilà, ça va vite là. 60 moins 20, 40. 86 moins 50, 36. 75 moins 30, 45. 182 moins 90, 92. Voilà, le premier exercice, il était très simple, c'était de l'échauffement. On passe au deuxième exercice. Un exercice de niveau moyen. Si on posait les calculs, on n'aurait pas les fameuses retenues à mettre. C'est pour s'entraîner encore un peu avant d'attaquer le troisième exercice qui, pour lequel, si on posait les calculs, il faudrait des retenues. Donc là, je t'invite à mettre sur pause et puis ensuite à noter tes résultats et enfin à comparer. On y va. 59 moins 30, 29. 29 moins 4, 25. 77 moins 61. Je dis 77 moins 60. 17, 17 moins 1, 16. 25 moins 13. Je dis 25 moins 10, 15, moins 3, 12.
86 moins 46, je dis 86 moins 40, 46. 46 moins 6, 40. Donc ce qu'on fait là, ça peut te sembler un petit peu inutile de commencer par les dizaines et ensuite les unités. Mais tu verras qu'à l'exemple 3, enfin l'exercice 3, tu en auras vraiment, vraiment besoin. Donc il faut absolument mettre en place ces automatismes. 142 moins 60, ça me donne 82. Comment est-ce que je fais? Ben là, j'ai 14 dizaines, ici j'en ai 6. Je fais 14 moins 6, 8. Il me reste 8 dizaines, donc 80. Voilà. On passe à l'exercice numéro 3. Vraiment, l'exercice numéro 3, après, on ne peut pas faire plus dur et tu verras, c'est pas si dur. Dernier exercice, si on posait le calcul à la main, on devrait s'amuser à mettre les fameuses retenues qu'on met parfois quand on fait une soustraction. Je t'invite vraiment à mettre sur pause et à réfléchir tout seul dans ta tête avant de regarder la correction. 45 moins 18, 45 moins 10, 35. 35 moins 8, 27. 31 moins 24, je dis 31 moins 20, 11. 11 moins 4, 7. 43 moins 25, je dis 43 moins 20, 23. 23 moins 5, 18. 72 moins 57, je dis 72 moins 50, 22. 22 moins 7, 15. 83 moins 65, je dis 83 moins 60, 23. 23 moins 5, 18. Voilà pour cet exercice. Donc si toi tu vas lentement, c'est normal, c'est l'entraînement. L'important c'est de faire juste. Il n'y a pas besoin de te chronométrer, d'aller très vite. Plus tu iras doucement au début et plus tu feras attention à tes automatismes, meilleur le résultat sera. Parce que aller très vite et faire très faux, ça sert à rien. Voilà, ça c'était le deuxième épisode concernant le calcul mental. On va au prochain épisode parler de multiplication. Et multiplication par deux, donc voilà, donc ça sera pas. Enfin, tu verras, c'est des techniques qu'on donne pas très, très souvent. On va parler de divisibilité par deux, et en fait, c'est pas la mode, mais c'est bien dommage. Voilà, je te dis à bientôt sur Picomat.